Moi, ce que je te propose pour t'hydrater les mains, c'est d'utiliser une crème quotidiennement. Et ce que tu peux faire à l'heure actuelle, quand tu sens que tes mains sont extrêmement inconfortables, c'est y ajouter une goutte d'huile nourrissante pour apporter beaucoup de réconfort et en même temps te permettre un massage qui va te détendre aussi les mains. Est-ce que tu veux que je te montre? Oui, je veux bien. Je vais te donner la crème. Je te propose de le faire ensemble. D'accord. Si tu veux bien. Alors là, je vais y ajouter une goutte d'huile. Et là maintenant, donc, tu peux chauffer le produit et ensuite, tu vas masser tes deux mains simultanément, comme si tu te lavais les mains finalement. Voilà, parce que souvent, on pense au-dessus de la main, mais jamais à l'intérieur. Donc, tu n'hésites pas. Voilà. C'est surtout ici que j'ai des... Alors justement, regarde, ce que je te propose, avec le pouce, tu peux faire des mouvements circulaires. Du centre vers l'extérieur et tu es agrandi. Est-ce que tu peux faire aussi, c'est insister ici sur le talon des mains, jusque sur les éminences. Voilà. Et si à certains moments tu veux apporter un peu plus d'énergie, avec le pouce, tu peux faire une pression. Voilà, tu presses, tu relâches, tu presses et tu relâches. J'ai l'impression que ça détend. Mais oui, ça détend. Donc là, on a pris soin des mains. Alors ça, c'est quelque chose que tu peux faire le soir. Et le matin, surtout, n'oublie pas que bon, le lupus, on sait que les UV altèrent également la peau au niveau du lupus. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de mettre également une protection solaire. Alors là, bon, on vient de mettre de la crème, c'est pas l'idéal. Mais ce que je te propose, c'est que tu déposes sur la main. Voilà, tu étales. Et surtout, n'hésite pas à aller sur les zones qui seront exposées. Donc c'est les mains, les avant-bras, à tout moment de la journée, le décolleté, et puis bien sûr le visage, puisque c'est une zone qui est également fragilisée.